Elle est contente de me revoir. Commander. Huh? What do we do next? Next. Je sais plus du tout où on en était. Ce qui s'est passé avant. We all want to be doing something, anything, but we don't have any clue where to go next. We don't even know what Nevik is up to. Or what Yuri is up to. Il a dû se faire poutrer ou un truc dans le genre. Je bois mon jus. Tout va bien. There is still one lead available. This place might be worth checking out. These are the canyons. Right. We passed through these canyons before. But there's also a subterranean area down below. Huh? What do you mean? Well, depending on the filters you lay on it, a map can reveal more than it does at first glance. And right here, it's well hidden, but there's a sizable thermal energy deposit in the lower canyon area. A deposit? 5 years ago, a processing plant down there was shut down and abandoned for some reason. Mm-hmm. There's enough thermal energy there to supply Nevik for years. If it's been left untouched this whole time, it'd provide a good jumpstart for the Frontier project. Let's go. Let's go check it's it just out. A hunch. But if your hunch is right. Fiche, on y va. Wayne, on va rester ici, de toute façon. Let's check it out. Oui. Yeah. Par contre, le mec là, qui avait la clé, Joe, je crois que ça s'appelle. Je savais pas qu'il était avec nous. Je pensais qu'on l'avait genre kidnappé ou un truc dans le genre, mais je pensais pas qu'il nous aiderait. Enfin. Oh hey. Salut à toutes et à tous, c'est Lien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Last Planet Extreme Condition. Pas monter sur un camion déjà. Ça fait un moment que j'ai pas touché à Last Planet. Genre 3 semaines, ensuite je suis revenu et j'ai commencé à tourner cette mission, sauf qu'après le son n'a pas fonctionné, donc on va la retourner, c'est pas grave. Youhou! Par contre, j'ai galéré comme pas possible pour la faire, parce que, enfin, vous verrez bien. Donc je pense qu'il doit y avoir des moyens de la faire intelligemment, que je n'ai pas trouvé. Parce que moi, l'intelligence, vous savez... Allez, boum! Ok. Ah oui, c'est des réservoirs énormes, ça. La balle. 2 secondes, j'arrive. Merci bien. Wouhou. C'est l'heure du sniping. L'heure du sniping. What? Hop. No bazooka in here. Deux secondes. Merci. Wow. Ah. Je suis loupé là. Oui, je sais. On est au contact. J'utilise mon sniper. Ça n'a pas d'importance. Ah. Alors, je vais prendre le fusil et ça. Ça, j'aurais pas de problème de. Boum! 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 Ah! Les mecs qui tombent en courant. Allez! Il y a un casque, il y a des munitions de fusil quelque part. Ça, c'est. Fusil à énergie, fusil normal. Magnifico!
C'est dans le fait de faire tout ça, alors qu'il y a plein de mechas partout, à pied, où j'ai galéré à mort. Bah, on va bien voir, c'est faisable. J'ai réussi une fois, je peux réussir une deuxième. Là, je serai pas contre un VS par contre. Ouya! Bonjour! Haha! Ok. Par contre, j'ai jamais checké ce qu'il y avait là-dedans. Enfin, je suis jamais allé de ce côté-là parce qu'il y a des lance-roquettes un peu partout ici. Déjà, on va faire ça. Ce sera très bien. Voilà. Bon. Allez! Faut qu'on se dépêche de. De les détruire. Avec le fusil à plasma, c'est cool. Parce qu'on n'a pas non plus des masses de thermo-énergie et que je peux pas les récupérer celles que. Les mechas laissent. Qui est conséquente. Parce qu'il y a les lance-roquettes qui vont m'attaquer, tout ça. Et ça poserait de problème du coup. Cette arme est géniale. Bam 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 bam. On peut passer 10 ans. Je sais pas si je peux. Ah! J'avais pas vu ça qu'il allait me toucher! Est-ce que je fais des dégâts importants à ces trucs là? Ah, je savais pas que je pouvais leur faire tellement mal avec le fusil à énergie. C'est bon, j'ai retrouvé foi en la vie. Cette arme est ouf! Faut qu'on se dépêche un peu parce que j'ai pas non plus. La thermo-énergie est limitée, mais mis à part ce détail, tout va bien. Bam. Donc voilà. J'avais réussi à passer ça, j'étais un peu plus loin là, et ensuite je me suis rendu compte que ça allait pas pour le son, donc... Ouais, c'est... Ah, c'est lui qui m'a touché la dernière fois, à tous les coups. Ah ouais, il y en a deux. Ah! Ah! Ma thermo-énergie! Oh les assistés en bleu! On n'arrive pas à se toucher. Tant qu'on est au contact. Allez, go! Ça, c'est les réservoirs pour l'énergie, c'est cool. Hop! Sans les bazookas, c'est. Enfin, les lance-roquettes qui est au mur là, c'est tellement mieux. Je pensais pas que ce serait tellement fort le fusil plasma. Le robot qui n'agit pas. Ah, je peux l'interrupte. Elle est ouf cette arme. Ok, c'est bon, je suis mort. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Oh, je suis bête. Ouais. C'est comme ça qu'on voulait partir. Bon, tout ce temps, je faisais ça à pied alors qu'il y avait des mecs. Hein. Le monde est tellement beau. Ah oui. Bonjour. Pa-la-pa-pa-la-pa-pa-la-pa-pa-la-p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 a-
Je t'atterris dessus. Ok. La vie est plus simple que ce que je pensais. Oh, toi. Oh. On va hacker ça. Yeah. Ah, tes armes. Alors, on a un lance-roquette. On va prendre Gatling, laser guidé. Je sais pas ce que c'est, laser guidé, mais vu qu'il n'y a pas de munitions, peut-être. Ouais, je me suis loupé, mais en principe, c'est. En principe, c'est la vie. C'est Ingmar. Harder. Ok, vas-y, saute. Talon. Vas-y. Ha! Oh, je l'ai eu. Oh, pfiou! Elle est où cette arme? Qui m'a tiré dessus? C'est mon arme. Ah! Il est où? Je crois qu'il est en bas, il est coincé. Il y reste, hein? Pa-la-pa-pa. Ba-da-ba-ba-ba. Yeah! Continuons le chemin. Continuons. Oh! C'est l'heure de... des acrides. Ah ok, d'accord, il y a peut-être un point faible à cette arme. Booyah! Y'a ici, y'a ici. J'ai pas eu. Ouais. Booyah. Oh.
J'allais pas mourir. Ah! Attends. Ah, va falloir laisser le VS. Tant pis. On va voir VS. Oh! You! You! Disappear! Ah, j'avais oublié qu'il y avait des nids. Qu'il est bon d'avoir des munitions et des mitaines. Tentative de réapparition. Wow. Ok. Combien, c'est pas possible ça. Allez. C'est pareil toi. J'entends des trucs là. Ah, il y a un autre nid là. Je sais pas si je touche. Je crois que je l'ai détruit. On va activer ça et on va se casser. Allez, allez. Batman. Oh, je suis trop loin pour toucher ça. Ça craint. J'ai pas vraiment envie d'aller leur dire bonjour. Ok. Bah, sérieux, j'arrive pas à l'avoir. Oh. Attends. Ok. Ah, ok. Pip. Ici. Toi, Denis, toi. Oh, toi. Tu n'as pas aimé ça. Mon super fusil plasma. J'arrive pas à viser, c'est ouf. Ah, attends. On peut aller par là. Peut-être un chemin par derrière. On va éliminer ça. Il doit y avoir d'autres nids. Ok. Yeah, Mika. Par là, par là. Oh. Wouhou. C'est l'air de la poète. Comment j'ai perdu plein de vie, ça. Ok, mais il a tellement pas de vie ce bruit que c'est impressionnant. Et les nuls pour viser aussi. Je suis presque mort. Dégage. Ça me fera passer, il est nul pour se battre ce mec. Je crois qu'il y a un truc pour le transformer, mais... Car faut-il... De... Ah. Déjà. Oh oh. Le monde est beau. Ok. Ok, d'accord, très bien. Je m'en vais. Non. Ah, l'aide. Ça fait qu'à ça. Ça fait qu'à. Allez, juste une gatling, sérieux là.
ramasser. Ok, c'est bon. On va le laisser tranquille. Wow. Parfaitement. Hop là. Salut. Ah. Allez. Allez, tel contact. Carnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quoi ça? Get King. Niveau de munitions en plus. Yo! Je vais faire cela. Lui. Là, 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 la menace vient du ciel. Ok. Je sais pas ce qui régit le fait que l'espèce de poulpe volant explose ou pas. Mais quand il explose, c'est cool. Ok. Ok, c'est un autre mecha ici. J'aime bien le modèle que j'ai là, donc je vais le garder celui-là. Ah non, je l'ai pas. Dit-il en sortant. Ah, je voulais faire le coup au corps à corps parce que je crois que c'est celui qui est le. Bon, je sais plus comment faire un coup au corps à corps, mais c'est pas grave. Voilà, calme-toi. Ah. Ok. Let me touch you. Ok. Cool. Par contre, j'ai presque plus de munitions avec les cas que j'ai là. Oui. Je vais peut-être aller chercher les armes qu'il y a sur celui-là là-bas, non? On va voir ça tout de suite. Alors. Que je peux prendre ces armes. Ah ouais, il y a juste le laser vulcain. Je crois que c'était pas ouf le laser vulcain. Je suis pas sûr que ce soit incroyable comme truc. Du coup, dans le 2, je vais le laisser. Et tant pis si on a plus de munitions avec la Gatling. Ça va bien. Il y en a une, on en a encore pas mal. Avec un peu de chance, on trouvera des armes. Pam, pala, pala, pam, pala, pala, pam. Ah bah là, il y en a plein. Là, il y a un boss aussi, je pense. Ok. Ici. Ah non, c'est ce modèle-là, mon préféré. Ici j'ai deux guns. Et j'ai un fusil à pompe là. Ok! Let's go! D'accord, commence bien. Ah!
Yeah. Boum. Allez, allez, allez. Du coup de fusil à pompe, là, ça te fait bien. Ah, c'est dégoûtant. Ok. On pète deux pattes et après on lui dit bonjour. Ah! Laisse-moi tranquille! Hip là! Bon, la propre, allez, allez! Deuxième patte, et. Oui! Boum boum boum! Allez! Il prend tellement cher avec le fusil à pompe! J'ai plus de fusil à pompe! Faut une arme! Ça va? Fusil à pompe, please! Non, ok, ok! Voilà! Oh, déjà ça s'est dit! Et ça s'est dit! Oh, ça a pas suffi! Ah! Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais c'est pas cool. Bonjour! Déjà? Oh, je veux dire, j'ai pas le temps de finir là. Ah, si. Ok. Ah, bah voilà, boss! Qui accepte son statut? Voilà. Voilà, mission 9 terminée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode de Last Planet Extreme Condition avec la mission 10. Et à la prochaine. À toute.